tes pensées authentiques. Proverbe 15, verset 11. L'Éternel connaît le séjour des morts et l'abîme. Combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui? Auditeur de PINTV, si nous voulons avoir la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire là où commence la sagesse selon Proverbe 9:10, nous devons simplement réaliser qu'il connaît toutes choses, y compris nos pensées les plus gênantes. La haine, les passions malsaines, la duplicité, tout cela est mis à nu devant lui. Les moindres recoins de notre âme sont dévoilés à son saint regard. Le projecteur puissant de sa gloire éclaire nos jardins les plus secrets. Notre première réaction est d'éprouver de la honte. Comme Adam et Ève qui ont revêtu des feuilles de figuier et se sont cachés loin de la présence de Dieu, nous refoulons l'idée du jugement de Dieu. On ne peut pas être si mauvais, n'est-ce pas? Tout le monde sait que Dieu est clément et miséricordieux. La grâce ne nous accorde-t-elle pas une belle marge d'erreur? En agissant ainsi, nous cherchons à nous justifier et nous compromettons notre réconciliation avec Dieu. Nos feuilles de figuier surestiment notre justice et sous-estiment la sainteté divine. Mais le regard aiguisé de Dieu s'avère bienveillant. Oui, notre honte est fondée. Non, il ne traite pas nos péchés avec désinvolture et nous avons parfaitement raison de nous sentir coupables. Mais nous sommes invités à nous décharger de notre culpabilité sur Jésus, à échanger notre vie indigne contre celle parfaite de Jésus. Quelle grâce de la part de Dieu qui a tout vu. Il ne se contente pas de nous regarder et de secouer la tête. Sa justice a été satisfaite car s'il ne nous concède aucune marge d'erreur, il a offert Jésus, sa justice, pour expier nos fautes. Il voit tout, mais il a tout payé. Bien-aimé, celui qui comprend la vision parfaite et bienveillante de Dieu mènera une vie sobre en tenant compte de cette vision. La sagesse se développera chez cette personne. Il n'y aura pas de fausseté chez elle, seulement de la reconnaissance. La vie authentique n'est jamais superficielle. Et quoique entièrement mise à nu, elle n'a aucune raison d'avoir honte. Très bonne méditation à vous et Shalom!